Hey hey, salut à tous, c'est Arxine Mimil, bienvenue sur la chaîne de la team Arxine. Et aujourd'hui, grosse vidéo sur Fortnite, plus précisément, les théories de Fortnite. J'ai du lourd à vous annoncer, une théorie qui pourrait résumer à la fois le chapitre 1 et le chapitre 2. C'est parti! Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit pouce bleu si vous aimez, et surtout partagez à fond la vidéo si vous êtes d'accord avec la théorie. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors aujourd'hui, les amis, je vais vous annoncer une très grosse, je l'ai déjà dit, une très très grosse théorie. En fait, il se pourrait que le chapitre 2 de Fortnite soit en fait antérieur au chapitre 1. Attendez, je m'explique. En fait, le trailer de la saison 3 a fuité il y a peu, je vais vous le mettre à l'écran, où on voit notamment Jonesy, qui fait une grosse bêtise en tirant sur le bus de combat, qui tombe dans l'eau. Cela annoncerait donc que la saison 3 serait non seulement inondée, mais il y a beaucoup d'indices qui se cachent sur ce trailer et qui laissent envisager de sacrées théories. En effet, rappelez-vous, à la fin de la saison 10, ouais c'est ça la saison 10, un trou noir a englouti l'île de Fortnite, et je pense que ce trou noir serait en fait la vraie fin de Fortnite, et que le chapitre 2 sera en fait une sorte de flashback, avant le chapitre 1. Souvenez-vous de votre première partie sur le chapitre 2, la vraiment toute première. Eh bien, chaque personne qui jouait pour la première fois à Fortnite, sur le chapitre 2, jouait avec le skin Jonesy, comme si c'était la première fois que Jonesy arrivait sur cette carte. Et maintenant, remémorez-vous le trailer de la saison 3, avec Jonesy sur une île déserte, qui envoie une fusée de détresse sur le bus de combat. Eh ben, on pourrait penser que Jonesy aurait été récupéré par le bus de combat, et qu'après, il sauterait de ce bus pour aller faire son premier Battle Royale. Je dis le premier Battle Royale, c'est-à-dire qu'il n'aurait jamais fait de Battle Royale sur la saison du chapitre 1. Pourtant, il est là. Comment est-ce possible? Pour résoudre cette énigme, remémorons-nous l'histoire du chapitre 10. Le temps est stoppé. La météorite a deux doigts de tomber sur Dusty Depot. Une sorte de trou blanc qui menace d'exploser sur l'île de Fortnite se transforme en trou noir et aspire toute l'île. Ok. Logiquement, tout ce qui va dans un trou noir ne ressort pas et est perdu jamais, c'est-à-dire toute la carte du chapitre 1. Ce qui marquerait donc la vraie fin de Fortnite. Et pour confirmer ce fait, je vous rappelle que la dernière musique dans le pass de combat à sortir palier 90 et des rouettes, je crois, si je me trompe pas, ça s'appelle La Fin, qui rappelle franchement la musique d'Interstellar. Qui est d'ailleurs un film en rapport avec les trous noirs. Continuer sur Interstellar, le héros plonge dans un trou noir et revit les moments du passé chez lui avec sa fille. Il peut alors revoir tous ces moments, heureux comme malheureux, et puis influer sur le destin. Enfin, un troisième élément vient confirmer l'hypothèse de la fin de Fortnite et de l'antériorité du chapitre 2 par rapport au chapitre 1. Rappelez-vous la saison 9, juste avant la saison 10, c'est logique. Eh bien, Jonesy, dans son bunker, avait fait tout un tas de graffitis, représentant l'histoire du chapitre 1, et puis de nombreux graffitis dont on ne savait pas ce qu'ils représentent. Tiens, tiens, c'est bizarre. Regarde en détail ces graffitis, on peut voir le bus de Fortnite avec une île et avec trois palmiers. Eh bien, cette île rappelle vaguement celle sur laquelle était bloqué Jonesy sur le trailer de la saison 3. Coïncidence? Non. Ça voudrait dire que Jonesy a déjà vécu ces moments. Donc ça veut dire qu'il aurait vécu la saison 11, 12, 13 avant la saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce que l'on peut en déduire, eh ben tout simplement que la carte du chapitre 2, c'est en fait la carte du chapitre 1, mais au tout début, quand il n'y avait pas encore, ou au tout début du Battle Royale, justement. La map du chapitre 2 serait donc en fait la carte du chapitre 1 qui aurait évolué à travers notamment les inondations et les bêtises de Midas pour se transformer et pour arriver au final en carte du chapitre 1. On a donc les tout débuts de Fortnite. On a aussi la fin. Que se passe-t-il entre les deux? C'est-à-dire
à la saison 3 du chapitre 2. Eh bien, ça, je pense que c'est à vous de regarder attentivement les graffitis de Jonesy et d'essayer de découvrir ce qu'il va se passer. Comment donc résumer tout ça? Parce que ça fait beaucoup d'informations. En gros, Jonesy, à la saison 9, a fait des graffitis sur un mur, représentant l'histoire du chapitre 1 et de nombreux graffitis dont on ne connaît pas l'origine. Avec le trailer de la saison 3 qui a fuité, on peut voir Jonesy sur une île avec des palmiers. Eh bien, cette île est représentée dans les graffitis. Epic Games aurait dû donc tout prévu. Ça voudrait dire que Jonesy aurait déjà vécu ces moments, donc le chapitre 2 est antérieur au chapitre 1. Donc le chapitre 2 est le début de Fortnite, et le chapitre 1, la fin de Fortnite. Confirmez tout ça, je vous rappelle qu'on n'a jamais vu de lien entre la fin du chapitre 1 et le début du chapitre 2, si ce n'est que le trou noir. Des personnages totalement différents, une histoire totalement différente. Comme si l'histoire recommençait à partir de rien. Ou plutôt, dans ce cas-là, devrais-je dire, commence. Enfin, le premier truc qui m'a frappé en découvrant les nouveaux graphismes du chapitre 2 sont tout simplement les couleurs. Les couleurs. On peut voir de nombreux couchers de soleil, la beauté des paysages, et puis une palette de couleurs plutôt nostalgique. Pour finir cette petite vidéo théorique, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, partagez à fond la vidéo si vous êtes d'accord avec cette théorie, pour qu'elle puisse circuler et qu'un grand nombre de jeux, personne soit au courant. Je pense que pour la première fois, on tient le bon bout pour trouver la réelle histoire de Fortnite. Partagez à fond cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous, et puis bah, je vous dis, on attend la saison 3, et puis à la prochaine!